Depuis quelques années, j'avais envie de revenir en France. Et j'étais dans une situation un peu compliquée, puisque j'étais dans un endroit qui ne me plaisait pas. J'ai parlé avec le club de l'Hapoël, donc j'aurais fait parvenir mon souhait de le quitter. Et quand j'ai eu plusieurs opportunités, dont un retour au Portugal, qui était un peu une solution de facilité pour moi. Et j'ai trouvé le challenge, j'ai parlé avec Louis et ensuite avec le coach, et j'ai trouvé le challenge et le projet du club intéressant. Dans ma vie et dans la vôtre, chacun a ses propres défis ou challenges. Ça faisait partie d'un des miens. C'est une ligue que je connais pas, à part de ce que je vois, de ce que je connais, de ce que je vois, mais voilà, c'est un défi. C'est un défi pour moi parce que j'ai jamais joué ici. J'aime bien progresser en faisant progresser mes collègues avec qui je joue. Et j'aime bien gagner, je suis un mauvais perdant. Après, mon rôle en tant que défenseur central, c'est vrai qu'on est derrière tout le monde, on a peut-être un peu plus de responsabilités que les autres, et notamment dans la communication sur le terrain. J'ai toujours eu ce rôle, j'ai toujours essayé de le respecter. Puis voilà, c'est vrai que j'étais en Asie, quand je suis arrivé en Asie, on m'a donné un peu ce rôle-là. J'étais capitaine longtemps à Bellamar et à Estoril, donc forcément, le rôle de patron, comme vous définissez, j'ai un peu connu ça. Je suis là depuis 2 jours, mais de ce que je vois, c'est une concurrence saine, c'est ce qui est important. Et puis voilà, on va tous travailler pour atteindre les objectifs du club et ensuite personnel. Je connais Johan comme adversaire longtemps. Et c'est important tous les jours que maintenant nous sommes ici, hier avec Marcel, aujourd'hui avec Johan, profils différents que vont apporter à le club quelque chose. Et le plus important, que le club soit plus fort le jour de demain. Ça, c'est le plus important.